Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le pack SBC Ultime. Vous savez peut-être, il y a eu des défis création équipe pendant 6 semaines pour les TOTS. Et donc j'ai fait les 6. Et donc plus tu faisais de défis et plus tu avais des gros packs. Par exemple, t'en faisais 5, t'avais un pack à 100K. Et moi j'en ai fait 6, j'ai fait les 6. Donc du coup j'ai un pack Ultime. Donc c'est un pack contenant 30 joueurs. Or avec un joueur TOTS garanti. Donc il y a minimum un joueur TOTS garanti. Vous voyez, voilà, c'était dans équipe de la saison. Voilà, il y avait à chaque fois, chaque semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et donc fallait remplir des petites conditions. C'était pas très cher, ça coûtait 10 000 crédits maximum. Des fois je les avais pour pas très cher. Donc voilà, en plus il y avait des packs à la clé. Alors c'est vrai que les packs je vous les ai pas montrés parce qu'il n'y avait pas vraiment du lourd. Donc je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer. Mais par contre, on va ouvrir ce pack. Et on espère toucher du lourd, ça serait cool. Ça serait cool de toucher. En tout cas, vu que c'est invendable, si on a un TOTS, vu qu'on est obligé d'avoir un TOTS, ça serait bien d'avoir un TOTS utile, quoi. Déjà une animation, déjà ça serait cool. Et puis un TOTS utile, comme je vous dis, parce que si on a un gros TOTS mais qu'il ne nous sert pas, bah ça sera un peu compliqué, quoi, vu que c'est invendable. Donc voilà. Allez, s'il te plaît, une animation déjà. S'il te plaît, donne-moi une animation. Allez. Yes, animation. Allez, allez. Allez, qu'est-ce que ça va être? Oh, j'ai vu Espagne. Oh non. Oh non. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a deux déjà. Qu'est-ce que ça va être, Espagne? Oh non. DC? Oh, Aspi! C'est Aspi? Yes! C'est Aspi! Alors là, je suis content parce que j'allais l'utiliser. J'allais le mettre dans mon équipe. Pour ceux qui suivent les lives, j'allais le mettre dans mon équipe. Yes! Comme ça, j'aurais pas à l'acheter. Yes, yes, yes. Oh, c'est bon ça. En plus, on a un TOTS derrière. On a un TOTS derrière. Et vu qu'il est à 91, on peut en avoir un à 90, 89. Ah, ça serait cool. Ça serait cool si on pouvait avoir bah, l'autre, là, Alonso, là, le DG. Non, quand même pas. On aurait trop de chance si on avait le DG. Parce que, en fait, c'est l'équipe que je veux faire pour ce week-end. Et ça sera. Non, ça sera Talisca. Ah, Talisca qui a des stats pas trop mal. Ouais, 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 bah beau pack, hein. En plus on a eu des joueurs à 84 de notes, donc on pourra les réutiliser dans les SBC, vous voyez, hein, c'est invendable, hein, tous les joueurs. Mais voilà, c'est un bon petit pack, franchement, content. Le petit Aspi, apparemment, il y en a certains qui disent que c'est le meilleur défenseur du jeu, donc voilà, bon, moi je l'ai pas testé encore, mais bon, on le testera, et puis sinon, voilà, pas mal de joueurs pour les SBC. Donc du coup, je vais en refaire un autre de SBC avec, ouais, je vais mettre Sigurdsson. Et puis Raoul, l'autre, le troll qu'on avait packé, voilà. Comme ça, on fait un autre petit SBC. En plus, bah, du coup, on l'avait pas payé vraiment cher. Et puis après, peut-être qu'on en fera un autre avec... si on touche du lourd, bah, on le garde. Et si on touche pas du lourd, et bah, on pourra refaire un SBC peut-être avec justement Talisca. Parce que je pense pas l'utiliser. Enfin, je pense pas l'utiliser, voilà. Allez, s'il te plaît, donne-moi du lourd. Déjà une animation, s'il te plaît. Bon, animation, allez, animation. J'ai pas vu le pays, c'est Pays-Bas. C'est quoi? L'étoile est pas mal. Oh non, c'est Argentin. Oh, qu'est-ce que c'est? MDC, non, non, c'est Biglia. Oh non, oh non. Mais non. Ça peut être tellement de trucs Argentin. Non, non. Je me disais, on était sur la chance, donc pourquoi pas. Parce que je voulais mettre Messi dans mon équipe aussi. Allez, s'il te plaît. Un gros joueur. Animation, yes. Allez, allez. Yes, animation. J'ai pas vu le drapeau. Belle étoile, ça va. Argentin, allez, s'il te plaît, ce coup-ci. Ce coup-ci. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, deux fois la suite. Mais c'est possible ça. Mais non, oh là là, mais non, mais non. Putain, je vois Argentin, je me dis, bon bah là, forcément, c'en est un autre. Il y aura pas que des trolls. Bon bah voilà. Bon bah au final, quand même, on est refait dans le sens où. Les packs, c'était invendable, les joueurs invendables, donc du coup, on a pu se refaire des crédits gratuitement, en fait. Et bon, Biglia, c'est pas non plus le pire, parce qu'il vaut 55 000, donc du coup, je me suis fait deux fois 55 000. Donc, voilà, deux fois 55 000, plus j'ai eu Aspilicueta, voilà, sinon le reste, tout le reste des 30, enfin des 29 joueurs, je les ai tous remis dans ces deux SBC, donc voilà, au final...
tu ouvres un pack ultime pour avoir 110 000 crédits plus Aspi, je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si bon, à la fin, les deux animes argentins sont bien foutus de ma gueule. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment pour la chaîne, pour le soutien et tout. À vous abonner et à activer les notifications, la cloche, c'est hyper important pour avoir les notifications. Des fois, YouTube bug. Et aussi, à me suivre sur Twitter, c'est hyper important aussi parce que des fois, YouTube bug avec les notifications, même si bon, c'est quand même plus sûr d'activer les notifications. Et voilà, comme ça, sur Twitter, on peut parler et je peux vous poster pas mal d'infos. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un live avec les récompenses Fut Champion 2 jeudi et puis aussi vos qualifs que je fais. Voilà, salut à tous.